Puisqu'on parle de trafic aérien, il aura doublé d'ici 15 à 20 ans, notamment en région parisienne, où la construction d'un troisième aéroport ne va pas sans difficulté. Un réaménagement des couloirs aériens, inchangé depuis 30 ans, s'impose désormais. Certains riverains gagneront en tranquillité, mais d'autres y perdront, comme nous l'expliquent Anne-Marie Blanchet et Éric Bérin. Avec près d'un million de vols par an à Orly et à Roissy, Paris est le premier aéroport d'Europe. Les avions ont le droit de survoler la capitale, mais uniquement au-dessus de 2000 mètres. 140 d'entre eux sont pourtant descendus en dessous au cours de l'année 2000. Deux tiers pour des raisons de sécurité, un tiers en toute illégalité. Les riverains des 18e, 14e et 13e arrondissements se plaignent de plus en plus du bruit des avions. Le soir, ça me gêne énormément. Parce que bon, le besoin de vouloir dormir, partir dans mon sommeil, ça me gêne quelquefois. Le matin aussi, je les entends et il y en a même dans la journée qui passent. À l'origine de ces nuisances, un accroissement considérable des vols, plus 10% chaque année. D'où des couloirs aériens saturés, mal organisés, plus difficiles à contrôler. À Orly, pour une arrivée par le sud, il y en a trois par le nord. À la clé, des déséquilibres, des retards. Idem à Roissy, même déséquilibre, même retard. La répartition des couloirs va donc être modifiée. Tous les avions en provenance du nord atterriront par le nord. Tous ceux qui arriveront du sud se poseront par le sud. À Roissy comme à Orly, c'est une question de sécurité. Les nouvelles trajectoires passant au nord et au sud de Paris sont inévitables. Peut-être pourra-t-on également améliorer les choses en interdisant la fréquentation aux avions bruyants, en augmentant la capacité de chaque avion de manière à diminuer le nombre de ceux-ci. Même si le tracé exact des couloirs est loin d'être défini, les riverains d'Île-de-France crient au scandale, surtout en Essonne, car ce sont 210 avions de plus par jour qui circuleraient au-dessus du département. Ce nouveau couloir que l'on va ramener vers le sud survole une région qui est habitée par une population justement qui a choisi, qui a fait le choix de s'éloigner des couloirs traditionnels pour avoir la tranquillité et qui demain va la perdre. Le bruit dépend beaucoup de l'altitude. Pour le diminuer, les avions devront survoler les départements du sud à plus de 2000 mètres, jusqu'en Seine-et-Marne. Ils devront aussi descendre en planant, volets et trains d'atterrissage rentrés, moteurs à bas régime. Tout manquement à ces consignes sera sanctionné. Le ministère des Transports se veut catégorique.